Signé Furax. Septième épisode. Regarde, White. Vue perspective des avenues jardins du quartier Est avec l'obélisque de Louxor et l'arc de triomphe d'Orange. Oh, les monuments volés! Emplacement réservé à l'installation du lion de Belfort sur son piédestal. Ah, voilà l'once qui veut en faire. Palais des sept murailles, sanctuaire et demeure du grand Babu, le maître pilote du monde de demain. Mort et souffrance à celui qui aura pénétré ces mystères interdits. Manger des bananes, c'est stocker des vitamines. Ah non, ça c'est un buvard publicitaire. Honneur et richesse à ceux qui auront aidé les babus dans leur tâche. Chami Pataro, Rogria Patacha. Eh ben. Ça alors. Eh ben, mon vieux Black, on n'a pas perdu notre journée, hein. Ça, tu peux le dire. Maintenant, on sait pourquoi les monuments de France ont été volés. On connaît le sort qui les attend. Ah, je comprends que ce pauvre Clignapouf se soit fait descendre, tu parles. Ils ont dû juger qu'ils n'étaient pas sûrs. Eh, comme Socrate l'avait repéré, ils ont préféré le supprimer, quoi. Mais alors, Wait, nous sommes les seuls à savoir où est passé Clignapouf. Eh, bien sûr. Ah ben, alors, si on nous pique, notre compte est bon. Oui, aïe, Black, mon vieux, il faut filer. Oui, mais n'oublions pas le dossier. Il doit y avoir des tonnes de trucs intéressants là-dedans. Mais oui, mais dis donc, c'est lourd, on passe trimballer avec ça. Ouais, difficile à emmener sous le bras cet immense carton à dessin bourré de documents. Là. Oh, attends, j'ai une idée. Ouvre la fenêtre, là. Ouais. Doucement, quoi, doucement. Tu veux le lancer par la fenêtre? Mais pourquoi pas, c'est notre sol. Mais si quelqu'un le ramasse? Ah oui, très juste. Mais alors? Dis donc, ouais, j'ai une idée. Regarde le triporteur à moteur qui est arrêté là. Si on le lançait dedans. Eh oui, mais pour le récupérer après. Et regardons, il y a l'adresse dessus. Potron Fils, poissonnerie du marché Saint-Honoré. Ben, on saura où les retrouver. Ah, pas bête, dit. C'est un risque à prendre, ça. Oui, ben, enfin... Allez, allons-y, aide-moi. Prends le carton à l'autre bout, là. Oui, c'est ça, allez. Faut bien viser, hein. Oui, oh, il n'y a pas de problème, ça. Oh, hop. Parfait. Eh ben dis, on est les champions olympiques du lancer du carton à dessin, hein. Ouais, recordman du tir au triporteur. Oui, notons bien l'adresse surtout. C'est casé, Potron Fils, poissonnerie du marché Saint-Honoré. Bon, à présent, on ferme la fenêtre et on se tire. C'est ça. Ah, un dernier adieu à ce cher Clignapouf. Ah, pauvre vieux Clignapouf. Moitié crapule, moitié victime. Tu es mort sans trop savoir pourquoi. Bon, à présent, la porte est en vitesse. T'es prêt? J'ouvre. Entr'ouvre d'abord. Il y a des gars dans ce musée. Ils doivent pas être bien loin. Oh non, le chien! Quoi? T'as pas vu? Au moins 12 types dans le couloir. Ouvre, qu'on entende. Oui. Chut! Chaviro! Chaviro! Rotantacha! Rotantacha! Chami Pataro! Chami Pataro! Rogria Patacha! Des babus! Rogria Patacha! Alex, Oscar et Mirapeu, ne partez pas. Je vous prie, j'ai besoin de vous pour les obsèques de notre cher défunt. Bien, monsieur Psaf. Je retourne dans mon bureau, je vous appellerai. Nom d'un chien blanc qui vient par ici. Coincé. Cachons-nous. Où? Tiens, vite, derrière les rideaux. Là, chut, oh, le voilà. Vous pouvez sortir de derrière les rideaux, vous savez, messieurs. Je sais que vous êtes là. D'ailleurs, j'ai actuellement un très gentil revolver braqué dans votre direction. Allons. Sortez. Black, ce coup-ci, je crois que... Asseyez-vous, je vous prie. Gardez les mains en l'air. Et pas de bêtises, surtout. Mon calibre est très susceptible, quoique très généreux. Qu'est-ce qu'il raconte avec son calibre généreux? Eh oui, c'est-à-dire pas dur à la détente, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça va, gardez vos salades. Pas besoin de nous faire un dessin. Hein, la bonne heure, messieurs Black et White. Tiens. Vous nous connaissez? J'ai cet avantage, messieurs. Aussi, je m'étonne de votre comportement insolite. Ah, fumier. Oh, monsieur White. Vous, un homme bien élevé, s'exprimez aussi grossièrement devant monsieur Psaf. Monsieur quoi? Psaf. Excusez-moi de ne m'être pas présenté plus tôt. Psaf, c'est pas un nom, c'est un aboiement, ça.
Saf. Alors comme ça, c'est vous le taulier. Vous persistez à vous complaire dans la vulgarité, monsieur White, à votre aise. Par acquis de conscience, je vais demander quelques instructions. Psef à l'appareil. Allô? Quoi? Comment? 19h, 7 minutes, 40 secondes. Qu'est-ce que vous dites, le quatrième? Ah! Ah oui, ah bon. Errare humanum est. Allô? Psef à l'appareil. C'est vous, JP? Vous êtes sûr? Bon. Non, je vérifie parce que je viens de faire un faux numéro. Oui, je m'étais trompé d'un chiffre et j'ai eu l'horloge parlante. Une erreur, quoi. Bref, dites-moi, j'ai sous la main deux spécialistes de la curiosité poussés à la puissance cube. Messieurs Black et White. Eux-mêmes, en personne. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Mais oui, bien sûr, c'est ce que je pensais, oui. On ne peut pas laisser vivre des gens qui... Oui, évidemment. Hein. Bon, oui. Eh bien, je vais faire le nécessaire. Parfait. Oui, comptez sur moi. À bientôt, JP. Alors, ça y est, c'est décidé. Vous allez nous... Mais vous ne souffrirez pas, je vous le garantis. Vous y tenez vraiment? J'ai des ordres. D'abord, j'ai besoin de place. Alex, Oscar. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Notre ami Clignapouf n'a plus rien à faire ici. Il faut lui donner une sépulture décente. Ah, vous voyez, Psaf? Vous êtes déjà encombré avec un cadavre. Alors, qu'est-ce que ça va être avec trois? C'est qu'on tient de la place, nous, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, chers amis. Ici, au musée d'art futur, nous avons tout ce qu'il faut pour les convois funèbres. Vous avez visité? Ouais, c'est très intéressant, d'ailleurs. Alors, vous avez vu fonctionner le moulin à poivre municipal de la cité future? Ouais. Eh bien, c'est un appareil qui broie n'importe quoi. N'importe quoi. Alex, Oscar. Oui. Le corps, s'il vous plaît. Parfait. Alex, Oscar. Voulez-vous laisser tomber la dépouille du défunt dans la cuve du moulin à poivre? À mon signe. Une, deux, trois. Parfait. À présent, le moulin va tourner. Les meules vont happer lentement le corps de feu Clignapouf et le broyer. Le broyer! Le broyer! Je mets en marche, monsieur le directeur. Non, moi, c'est moi. C'est moi, je vais le faire moi-même. Attention, partez! Regardez bien les meules qui écrasent et qui écrabouillent tous les curieux. Regardez. Black, je peux pas voir ça. Oh, moi, ça me rend malade. Regardez, regardez, il ne reste plus qu'une jambe, une selle. Black, ne regardez pas. Oui, on essaye. Oui, pourquoi pas. On cavale vers le bureau, on ferme la porte et on saute par la fenêtre. Oui, attention, un. Ça y est, Clignapouf disparu, croqué. Deux, courage vieux. Et trois, allez, hop, hop. Monsieur Psaf, regardez! Ils se sauvent! Oh, les voyous, me gâchez mon plaisir! Mais tirez, tirez, monsieur le directeur! T'es blessé, Black? Non, vieux, ça va. Vite, vite, la fenêtre! Oui, allons-y! Ouvrez tout de suite! Désolé, monsieur Psaf! Pour le moulin à poivre, on verra un autre jour! Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.